Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas filmé de vidéo en fait parce que je voulais trop me focaliser sur des trucs que j'avais à faire, qu'il fallait que je prépare et tout, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Mais là normalement on retrouve un bon rythme d'une vidéo minimum par semaine, à savoir qu'il y a de belles vidéos qui vont venir, des hauls et tout, donc vraiment j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo en fait concernant AliExpress, vraiment. Durant toutes les périodes où je commandais sur AliExpress, ça m'est déjà arrivé que je commande des trucs très inutiles, des trucs vraiment très bizarres dont je me sers pas et je comprends vraiment pas pourquoi je les ai commandés. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques petits trucs. Et n'hésitez pas vous en commentaire à me dire si les produits inutiles que vous avez également commandés sur AliExpress auparavant. Donc on commence par un truc, en fait c'est pas très inutile, mais c'est pas non plus le truc qui va trop servir. C'est ça. En fait, j'avais pris un lot de fleurs artificielles roses, enfin de roses, du coup. Et ça se vend comme ça par bouquet. Et du coup, vous pouvez les retirer si vous le souhaitez. Et en fait, c'est mignon. J'avais pris ça parce que c'était pas cher. C'est mignon, mais c'est pas très très utile en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je les ai pris. Mais je me dis pour les photos et tout, ça va être sympa. C'est très joli. Mais bon, c'est pas vraiment le meilleur achat. Et en fait, moi, j'avais craqué parce que c'était pas cher. Je ne me rappelle plus trop des prix. Et même les liens, je pense certainement qu'ils vont plus être valables parce que ce sont des achats qui datent. Mais en tout cas, c'est pas vraiment l'achat le plus utile, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on reste dans cette lignée d'achats, bon, quand même un petit peu utiles, qui servent quand même. J'avais pris ça. Alors, j'avais pris ce petit kit de surligneurs colorés. En fait, ce sont des petits surligneurs en forme de pilule. C'est trop mignon. Vous avez 6 couleurs au total. Et du coup, c'est vraiment tout petit par contre. Donc, c'est vraiment tout petit. Mais je trouvais ça trop mignon en fait. Et du coup, voilà, je vais pas tous vous les montrer. Mais vous voyez, c'est vraiment trop mignon. Et je me disais ça pas mal pour quand on veut s'organiser, son agenda ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas mal. Et ça coûtait pas cher aussi. Et c'est trop mignon. Vraiment, si vous avez des enfants ou quoi, c'est trop mignon. Parce que surtout, là, pour le coup, ça marche. Là, pour le coup, c'est quand même utile. Dans le sens où c'est quelque chose que j'utilise quand même un petit peu. Et ça marche surtout. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Et ça vient dans une petite pochette comme ça. Donc, c'est trop mignon. Ensuite, un troisième article là pour le coup qui est normalement utile aussi mais dont je ne me sers pas. En fait, j'avais acheté un lot avec 10 stylets pour téléphone tactile qui se présentent comme ça. Je pense que vous voyez le genre et ça venait dans plusieurs couleurs, argenté, rose, bleu, turquoise, enfin bref, plusieurs couleurs. Et je me suis jamais servie en fait. En plus, il y avait 10, donc je les ai un petit peu donné un peu par-ci, par-là. Mais je me suis jamais servie par moi-même en fait. Je voulais les prendre, il me semble, pour si j'ai envie de faire des miniatures ou quoi sur téléphone. Mais finalement, je ne les fais jamais sur mon téléphone. Moi, je préfère toujours le montage et les miniatures et tout sur PC. Je trouve que c'est plus pratique en fait, c'est plus rapide. Moi, je préfère après chacun son truc. Et du coup, je me suis jamais servie et je m'en sers vraiment jamais. Et même les personnes à qui je les ai données, je suis sûre qu'ils les ont pris juste parce que, en fait, je leur ai donné, en fait, tu vas pas me le rendre. Donc, ils s'en servent même pas. Donc, bon, ça, c'était pas cher. C'est vrai, mais c'est pas un truc non plus utile. Enfin, je trouve que c'est plus pratique d'utiliser son doigt que ça. Après, ça peut être pratique, je me dis, en hiver, quand il fait très froid et quand t'as des gants où il n'y a pas le doigt tactile là. Donc ça, par contre, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Là, on va vraiment passer aux derniers articles qui me restent, qui ne sont pas très... Non, on va passer... Il y a un autre article qui est quand même utile. Et les restants, ce sont des articles, mais n'importe quoi. En fait, j'avais pris ça. Ça, je vous explique. Ça, ce sont en fait des petits trucs comme ça. Et c'est pour fermer les ballons, en fait. Quand vous faites... Enfin, quand vous gonflez un ballon, hop, vous le fermez comme ça, vous voyez. Et ça, c'est réutilisable, il me semble. Et donc, c'est pas mal au lieu de devoir acheter des ficelles, au lieu de tourner le ballon comme ça sur lui-même. C'est plutôt pas mal, ça sert. C'était absolument pas cher, là, j'arrive pas à le rouvrir. Mais bon, vous voyez le concept. Et c'était un petit sachet comme ça. Et c'est plutôt pas mal parce que comme ça, vous n'avez pas, en fait, à, comme je vous disais, à utiliser
de la ficelle ou des trucs. Et comme ça, vous pouvez aussi récupérer votre ballon plus facilement. Parce que je pense que si vous nouez le ballon, il y a de fortes risques qu'il explose ou quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pratique. Après, est-ce que je m'en suis servi? Toujours pas. Donc voilà. Mais je trouve ça quand même utile. Là, on va passer vraiment au truc inutile. Premier truc, le moins inutile, on est sur ça. En fait, j'avais acheté des tampons pour sourcils. Vous savez, il y avait une mode de ce produit-ci, on les voyait partout et j'avais pris, en fait, c'était un kit, il me semble, avec ce modèle. Donc, on a le modèle sourcil rond et on a le modèle sourcil droit, en fait. Et vous voyez que moi, j'ai essayé le modèle sourcil droit. Sauf que, en fait, ça marche pas. En fait, le truc, c'est que, comment vous expliquer? Bon, celui-ci, je ne l'ai pas essayé parce que je trouve que c'est trop rond, j'aime pas trop. Et celui-ci, en fait, le problème, c'est que c'est très fin et que c'est une forme... je ne sais pas comment vous expliquer, je l'ai même fait tomber. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une forme... En fait, il est rond à ce niveau-là et il est fin, il est très droit, je trouve. Donc, ce n'est pas adapté en plus à tout type de sourcils parce que quand tu as des sourcils épais, ça ne va pas le faire en fait parce que justement, c'est fin. Donc, du coup, je trouve ce produit inutile. En fait, l'idée est sympa. L'idée, ça aurait été mieux si ça aurait été bien fait. Mais le produit en même, c'est inutile. Après, c'est juste une éponge, hein, une éponge qui est glissée dans ce genre de truc. Et le souci, je me dis aussi, question d'hygiène, quand vous l'utilisez une première fois, vous voyez là, je l'avais utilisé, donc il y a du produit dessus, parce que normalement, il est blanc comme ça. Et quand vous l'utilisez une première fois, bah après, c'est comme, enfin, vous allez devoir réutiliser, j'ai l'impression, du produit par-dessus parce que ça aura du mal à s'enlever en fait, ce genre de produit pour sourcils, comme ça, de pommade pour sourcils ou quoi, qui s'accroche très bien. Ça aura du mal à s'enlever et je ne me vois pas à chaque fois laver ça parce qu'en plus, c'est vraiment une éponge, c'est hyper pas quali quoi. Donc, c'est un truc qui va s'effriter, je suppose, en plus, au fur et à mesure du nettoyage. Donc c'est pas très très ouf en fait. Après, j'avais pris un produit. Alors ça, c'est un truc. En fait, je l'avais acheté, ça je me rappelle, en période d'Halloween, un truc comme ça. Pas cet Halloween, un ancien Halloween. Et en fait, c'est une wax. Vous voyez, c'est un produit qui se présente comme ça. Et c'est une wax qui se présente comme ça. Sauf que, déjà, ça tient pas, en fait. Ça sent un petit peu... Bon, ça sent pas mauvais. Ça sent limite rien. Mais genre, c'est un truc, ça tient pas et c'est tout collant. C'est vraiment pas du tout... Je sais pas comment ils font pour, je sais pas, créer des trucs sur leur visage avec ce genre de produit. Et en plus, j'avais peur d'utiliser sur mon visage, que ça me fait des allergies, des boutons, des trucs. Donc, du coup, bah voilà. C'est un truc que j'ai acheté par vraiment... Mais je trouve pas... Parce qu'en fait, il est collant. Il est très collant. Il est vraiment très collant. C'est comme une... Genre quand tu prépares du pain ou quoi, qu'il y a trop d'eau, vous savez que ça commence à te coller dans les doigts, dans la main et tout. Ben c'est ça en fait. Et je vois pas comment on peut s'y servir. Et en plus, ça fait un effet absolument pas homogène et tout. C'est pas du tout joli. Donc ouais, et certainement quand tu vas appliquer du maquillage par-dessus, le maquillage va s'accrocher sur... Enfin non, c'est... Enfin va s'accrocher mais en mode genre... cette wax va s'accrocher sur ton maquillage. Enfin c'est bizarre. Bref, j'aime pas du tout. Et les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, ce sont des produits qui vont un petit peu ensemble, en fait. Alors, j'avais envie... En fait, j'avais acheté... Je pense que c'est ce que j'avais acheté en produit, en premier. J'avais acheté ça, vous savez. C'est genre pour faire des faux sourires, ou je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, ça se vend comme ça. Mais c'est trop fake, regardez. C'est trop fake. Genre, cette partie, il est trop rouge, trop rose même. Et les dents sont trop blanches, ça fait trop fake, ça fait... Tu peux pas avoir des dents comme ça en fait. Et du coup, normalement, vous avez une sorte de pâte et il me semble que celle-ci, vous la mettez dans de l'eau chaude et voilà, et après, vous l'accrochez dans vos dents et vous mettez ça par-dessus et c'est un truc qui glisse. Enfin, j'avais pas du tout testé, mais j'avais vu des retours et donc vous l'avez comme ça. Et vraiment, ça, c'est un truc que j'avais acheté vraiment pour le délire. Je savais que ça allait pas marcher, mais je l'avais acheté pour voir... Et du coup, ça marche vraiment pas et c'est... En plus, ça fait fake. Même si ça aurait marché, ça fait fake et ça glisse et tout. Donc, ça s'appelle Perfect Smile. Et le dernier produit dans la même logique, c'est ça. Snap on Smile. Vous savez, il y avait trop le Snapchat, Snap Smile, je sais pas comment ça se dit. Enfin, bref,
qui était trop à la mode. Et du coup, j'avais vu ça, je me suis dit, allez, on tente. Et donc, c'est n'importe quoi. En fait, c'est le même concept. Ça aussi, vous avez la petite pâte et tout que vous faites chauffer, que vous mettez dans votre bouche. Et après, vous avez celui-ci, je pense qu'il y avait et les dents du haut et les dents du bas, je pense. Je suis plus très sûre. Je pense que ça, on est sur les dents. Non, je sais plus. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, donc là, on n'a pas le truc rouge. Mais c'est, ça fait trop fake. Je sais pas si vous voyez. Mais les dents, regardez en bas. Regardez comment c'est comme ça. On dirait, enfin, on dirait des décos d'anniversaire. Regardez comment c'est. C'est bien parfait et tout, alors que non. Enfin voilà, et là, genre, c'est l'intérieur de la bouche. Donc voilà. Mais du coup, après, moi, j'ai pas testé. Hein, je vous le dis, j'ai pas testé. Vous voyez le truc là, j'ai pas testé. Mais en fait, non, je comptais pas tester. En fait, je voulais juste voir ça parce que c'était pas cher. Et en plus, moi, je me vois mal faire chauffer ça et le mettre dans ma bouche. Parce que, genre, ça, c'est quoi en fait? Enfin, c'est du plastique, je suppose. Donc, non, ça va être au contact de ma bouche, donc non. Donc, vraiment, ces trucs, ne croyez pas. Après, ils te mettent des photos alléchantes, des trucs et tout. Après, je sais que vous n'allez pas y croire parce que moi, je les ai pris vraiment pour le fun. Et en plus, je voyais des photos, je voyais les gens, genre, ça, c'était n'importe quoi sur eux. Donc, et ils disaient que c'était du n'importe quoi, donc voilà. Mais je vous déconseille absolument parce qu'en plus, si vous voulez faire ce genre de snap-on smile ou je ne sais pas comment ça s'appelle, normalement, c'est vraiment sur mesure par rapport à vos dents. Ils vous font l'empreinte et tout, enfin bref. Donc voilà, je voulais vous montrer, mais c'est trop rigolo en fait. C'était vraiment tous les achats AliExpress bizarres que j'avais achetés. Mais oui, donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos achats bizarres. Ça me fera très très plaisir. Et voilà, donc encore pardon pour mon absence. Et promis, je reviens et je vous fais de gros gros bisous. Bye bye.